C'est ce que je vous ai expliqué hier quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire un mouvement. Il y a des tas de façons différentes de faire un mouvement. Et ça, en plus, je répète, suivant la stratégie que vous allez faire, parce que vous faites un carré de compétition, on va y arriver. Bon, je vais vous donner un petit peu de conseils pour essayer d'expliquer un peu le mouvement. Hein, et on va démarrer à s'échauffer, mais il faut essayer. Souvent, les karatékas essaient de faire des mouvements qui ne servent à rien. Donc, il faut réfléchir un peu. Vous marchez dans la rue, vous marchez comme ça, d'accord? Vous ne marchez pas comme ça. On voit des karatékas qui se déplacent, ils sont là. Réfléchissez, à quoi ça sert? Souvent, vous êtes, comme on vous apprend à contracter les muscles, vous expliquez hier, on exagère les mouvements. Hein, que l'élève comprenne bien, on exagère. Puis après, on contracte à peine. Et quand on a cette habitude-là, ben, on retransmet cette habitude, je vous rappelle par exemple, on va le faire tout de suite, au déplacement. Vous donnez une technique, là c'est un peu ce que je vous expliquais hier, on donne un peu. Ben, le coup, les filles, à quoi ça sert si je recule? Un effort musculaire comme ça, ça rime à rien. Mais, donc, essayez de réfléchir et de faire des choses logiques. Ben, c'est pas compliqué, mais là aussi, l'entraînement de karaté au début, je vous l'ai expliqué, ce qu'on demande aux élèves, il y a un maître, les élèves ne cherchent pas à comprendre, ils suivent. Bon, alors en attendant, vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas attaquer, pour faire ça, difficile de bouger. Donc, je vous répète, prenez cette habitude, hein, même si c'est un peu faux, les coudes, pensez qu'ils sont collés à vos hanches. Vous allez pas être comme ça, hein, mais là, voilà. Je passe droit, je suis là. Je continue à avancer, je suis là. Je bouge sur le côté, je suis là. Les bras ne font strictement rien. D'accord? Les épaules décontractées, et pareil, regardez par rapport au signe. Mais pourquoi ils ne sont pas comme ça? Parce que si par rapport à lui, qu'est-ce que je fais? Toujours le bras avant dirigé vers le visage, le bras arrière dirigé vers le corps, et il y a une ligne qui sépare le corps en deux, un bras d'un côté, un bras de l'autre. Pas les deux bras ici. D'accord? On fait déjà un chemin un peu. Un chemin un peu, pas trop. Voilà. Vous ne bougez pas, reculez un tout petit peu. Voilà. Reculez un petit peu. Voilà, bougez plus. Vous ne bougez pas, toi tu ne bouges pas, toi tu ne bouges pas, les autres vous mettez en garde face à lui. Allez, est-ce? Alors, on commence. Est-ce? Pourquoi, explique-moi, pourquoi quand tu te mets en garde par rapport à lui, bien, là, tu es comme ça, tu viens là, allez, est-ce? Bougez plus, bougez plus, bougez plus. Là, pour la plupart d'entre vous, petits amis, vous pouvez le faire. Faites quoi être quelques outils au corps, là. Écoutez, là, je vais te mettre en garde. Là, déjà, fais-moi quelques outils au corps. C'est impossible. Vous ne pensez pas que c'est possible. On peut démarrer un quelques outils au corps. Vous allez là, là. Là, on va aller de côté. Là, comment on peut donner un diabus outil au corps à partir d'ici? C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait, hein? Ben, comme il ne peut pas, ben, il se remet le point là. Ben, vous espérez quelqu'un, attends, là, eh bien, je peux t'en mettre une, ça va, je peux t'en mettre vrai. C'est impossible. Puis c'est, excusez-moi, c'est complètement ridicule. Pourquoi passer de là pour aller là? Vous êtes là, vous y allez directement. Hein? Et tant que vous serez un pied comme ça, là comme ça, vous ne pourrez jamais donner un coup vers l'avant. Hein? Soyez les pointes de pied et la jambe dirigées vers l'avant. Vous arrivez, vous devez être capable de faire un kizami, un gabou dans les katas. Hein? Là, bouge pas, j'ai un adversaire qui est là. Hein? On prend le premier régal, je fais Gedan Barai. Vous êtes en Gedan Barai comme ça. Puis maintenant, je vous dis, faites un maïdiri avec la jambe avant. Vous ne pouvez rien faire. Faites-moi un kiyakuzuki. Vous ne pouvez pas. Normalement, on est là, on fait le Gedan Barai. Un, je veux faire un kiyaku. Un, je veux faire
Wachiche en arrière, 2, je ferme la Wachiche en avant, 3, je n'ai pas à bouger à 9 mètres pour repartir, je pars immédiatement de la position dans laquelle je suis. Ça, si vous ne savez pas faire ça, il faut reprendre tout. Les jambes qui bougent, les bras, ils font rien. Après, on fait sursaut vers l'arrière, changement de garde. On essaie ça. Bien. Allez, comme un hitch. Allez, sursaut vers l'avant. Hitch. Nez. Sans. Vers l'arrière. Ici. Là. Bougez. Vous avez de l'eau qui coule. D'accord, hein? Et puis l'eau qui coule, vous lui mettez un tronc d'arbre devant. Qu'est-ce que l'eau elle va faire? Elle va faire ça et ça. D'accord? Alors regarde comment tu es. Vous avez votre but, vous, c'est d'aller devant si vous avez des coups. Si vous mettez un genou comme ça, comme tu es là, et comment voulez-vous que ça passe? C'est pas possible. Mettez-moi votre genou. Le genou, normalement, il est très légèrement rentré vers l'intérieur. Et bon, allez, sursaut vers l'arrière. Et nez, changement de garde. Sans. Voilà, pas de force. Ça ne sert à rien, on se déplace. Non, on n'a pas à faire, il n'y a pas à avoir de contraction musculaire. Allez, vers l'avant. Et nez, sans. Voilà. Vos bras ne doivent pas bouger en même temps. Et nez, sans. Il y a deux façons de se déplacer. Hein. Là, pour l'instant, essayez de le faire directement le pied arrière. Allez, on va vers l'avant. Et nez. Ah. Pas de force dans les bras. Aucune force dans les bras. Et nez. Sans. Voilà. Avance. Mettez-vous plus par ici. Changement de garde. 3. Vous allez vers la droite, que les pieds qui va se déplacer en premier. Pied droit, allons-y. 1, 2, 3. Allez, on repart vers l'avant. Et, nez, sort. 2 sursauts à changement de garde. D'accord? 3 sursauts latéraux. Et, nez, sort. 2 sursauts vers l'arrière, changement de garde. Et, nez, sort. Vers la droite. Et, nez, sort. Allez, lavez. Et assez. Donc, ça nous fait bien. Et, regardez bien. Pas avec les épaules, la hanche. On revient. Et, faites-le en deux temps. Ça doucement, ça rapide. Allez. Et on vient là, pour tout rapport, hein. On va dire ça, il y a là. Un tout petit peu, bougez le pied arrière. Regardez bien maintenant sur mes hanches qui travaillent. Mes hanches. Hanches. Ici, je recule. Mes bras, ils n'ont rien à faire. D'accord? Allons-y. On est là. On bouge un peu le pied. 1. Maintenant, hanche comme ça. 2 ici. Là, on est les mains. On est les hanches pratiquement de face, les bras pareils. C'est important parce qu'après, on va donner des coups de poing là. Hein? Si on a une main là, ou si on est comme ça, on ne pourra pas le faire. Et pitch, on recule. Voilà, on recommence. Revenez. Allez, 1, 2, et on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on est tournez bien 45 degrés là. Après, les uns pour les autres. Un jour, il y a un homme politique qui voit que les karatékas, ils sont plutôt solides. Et il décide qu'on va enseigner le karaté dans les écoles. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle école. Il a enseigné ça dans une école militaire. Et c'est là où le karaté ça a commencé, comme le truc militaire. 1, 2, 1, 2, c'est 1, 2, 1, 2, on est au bout de demi-tour. 1, 2, 1, 2, et on revient. Bon, très bien, mais ça c'est une chose.
Ne croyez pas que vous ferez un bon karaté parce que vous serez juste derrière l'autre, que vous êtes juste à côté, là comme ça, c'est pas possible. Hein? Dans la tradition au Japon, ça se passe pas du tout comme ça. Hein? En Okinawa, toujours, ça se passe pas du tout comme ça. En Okinawa, le maître, il a 7-8 élèves, 10 élèves, hein? Ils ont pas le même niveau. Le dojo, il fait 15 mètres carrés. Alors, il y en a un qui fait un truc dans un coin, l'autre qui fait autre chose. Tout le monde ne travaille pas comme ça en or. Alors, vous êtes tellement serrés les uns contre les autres que vous n'arrivez même pas à travailler. Prenez un peu d'espace. Hein? Allons-y, là. Allez, remettez-vous face par là. Prenez-moi de là. On fait le premier mouvement, je vous le montre d'abord. On bouge, on tourne. 1. Regardez, je vous montre après. Je ne vous ai pas demandé de bouger. Et on tourne ici, on est à 45 degrés de l'autre côté. Voilà, allez, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, revenez. Rien avec vos bras, rien. 1, 2, on revient. 2, voilà, encore une fois, 1, 2, je crois que je prends comme ça, il y a une autre façon de faire ici, allez, c'est un moment extrêmement important à sentir dans le déplacement. Hein? Je vous expliquerai après pourquoi. D'accord? Et là, une fois qu'on est là, on continue et on va vers l'avant. Pourquoi c'est important? Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on va déjà travailler ça. D'accord? Donc, on fait ce mouvement-là. Quand on recule, on a le mouvement contraire, on vient jusqu'ici, après, on recule. Regardez bien comment on peut changer complètement un coup, le même coup de poing. D'accord? On va se mettre en position de Hōzuki. On va d'abord reculer le pied avant au niveau du pied arrière. Et maintenant, vous allez commencer à réfléchir à un principe qu'on appelle le déclenchement de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire le déclenchement de la technique? Ça veut dire à quel moment je vais démarrer mon coup de poing par rapport à mon déplacement de jambe. Donc là, je déplace la jambe d'abord, et maintenant je démarre mon coup de poing, et deux, je vais arriver en même temps, fin du coup de poing, au moment où le pied pose par terre. D'accord? Donc on recule bien, hein? Un ici, deux ici, deux là. Allez, allons-y, on fait l'avance. Avancez un peu. Pourquoi tu as changé de garde? Pourquoi tu as changé de garde? Ben, je m'en fous de ce que toi, je vous ai dit, je veux vous voir en guérin de baraque. Donc restez en guérin de baraque. Tant que vous serez comme ça tourné, hein, les pieds arrière tournés, hein, même comme ça à 90 degrés, c'est impossible de faire quelque chose de fort avec la jambe arrière, avec le bras arrière. Hein. Donc tournez-moi, la jambe est tendue, et tournez-moi le plus possible le point du pied, le pied ici. Vous êtes en guérin de baraque ici. Maintenant, seulement, vous allez... Ici, le temps de votre bras comme si on avait fait un Hōzuki. Allez, etch. Voilà. Donc maintenant, vous pensez que vous faites, si vous voulez, un Hōzuki en reculant. Deux temps. Le pied avant rejoint le pied arrière. Allez, 1. Et maintenant, on recule la jambe, on démarre le coup de poing, on frappe en même temps. 2. Yes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Demi tour. H. Viens dans le pareil. H. Maintenant, viens dans le pareil, bougez plus. Voilà. Tendez-moi le bras gauche. Réfléchissez un peu. Hein? On recule ce pied. On frappe tout de suite. Les deux pieds finissent l'un à côté de l'autre. Fais-toi au visage, fais-toi au visage, voilà. Et maintenant, on relâche, on revient en garde. Retournez le bras, ça sera plus facile. Allez, ah, c'est pas ça que je veux. Deux. Ah, c'est ce que je veux. Deux. Non. Et là, T, encore une fois, t'es. Arrêtez de me compliquer les choses pour rien. Vous êtes là, vous me donnez un coup de poing, vous êtes ici. Et maintenant qu'on revient en garde, la question est obligée de me faire un grand machin comme ça. Ça me sert à quoi? Voilà, je l'ai raté pendant que je fais ça, et lui m'en peut. Et moi je peux rien faire. Je viens de frapper, je peux rentrer comme ça. Pourquoi voulez-vous que j'aille faire des tirons comme ça pour rien? Allez, hein. C'est la hanche qui va donner la force du coup de poing. Je tourne.
Donc je fais ça ici. Pom, tout de suite. Maintenant, je bouge mon pied. Je dis, la hanche recule. Bah, là, je frappe. Ok? On essaye de faire ça. Remettez-vous face par là-bas. Remettez-vous face par ici. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Je lui donne la baguerie. Lui, il tourne. En même temps, il tourne. Et hop, pom, la coupe en même temps. Voilà. D'accord? Hein, tout tout bête. On tourne, on sert du mouvement de hanche, comprenez la relation qu'il y a entre la hanche, le déplacement et la frappe. Allez, hush. Voilà, hanche, là encore. En même temps. Voilà. Allez, sort. Et 1, 2, 3.
bouge un tout petit peu mon pied, je fais le gain à braille. Avec cette main-là, je n'ai pas grand-chose à faire, vous voyez. Et la hanche va aller dans le même sens, et ici, bam, je frappe, je ramène, je garde le contact comme ça par rapport à lui. Je suis ici, je tourne, bam, là, et je reviens, on garde. D'accord. Allez, on essaie ça. On passe par là. Ici, il va faire le kizami. D'accord. Hein, mettez-vous bien dans la tête. Allez, on y regarde. Allez, hush, le cache, hop, on est rentré. Et venez, revenez carrément comme ça, ramenez-le-moi. Voilà. Viens ici. Voilà. Et là, normalement, on reste un peu. Soudain fort. Et on revient. Et. Allez, hush. Pas en deux temps. Boum, pratiquement un seul temps. Allez, on revient. Allez, bon, après, ça paraît pas, mais c'est pas si simple que ça, faire ça, hein, faire quelque chose. Bon, essayez quand même, c'est pas grave. Encore. Allez, hush. Allez, hush. Allez, regarde ici, il y avait. Il y avait, il y a ce que j'ai ici. Essayez bien de comprendre. Au niveau des mots, hein, il y a une action de combat qu'on appelle une contre-attaque. Une contre-attaque, c'est caractérisé par le fait que c'est une action qui se déroule en deux temps. Une contre-attaque, c'est deux temps. Un temps de parade, un temps de riposte. Il me donne un jacou, c'est ce qu'on appelle un contre. Un contre, c'est caractérisé par le fait que c'est un seul temps, et en règle générale, il y a une addition de force. Donc le même mouvement, au lieu de faire un, deux, contre-attaque, un, d'un contre. En même temps que je bouge ici, je touche ici, je prends le contre. Oui, c'est, pourtant c'est toujours un grain de braille, c'est toujours un tsuki. Il n'y a rien qui a changé. Sauf qu'on ne le fait pas tout à fait de la même façon. Et dans ce cas-là, l'efficacité n'est pas la même. Hein, vous comprenez bien ça, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours, si vous traitez toujours de la même façon, ben vous saurez faire une chose. Hein. Dans un mouvement, il y a une forme de base, Maïgiri. Maïgiri, la forme de base de Maïgiri, en général, c'est on frappe de la jambe arrière, on pose derrière. Et après, vous avez toutes les variantes avec la jambe avant sursaut, sur place, la jambe avant sursaut, frapper avec le dessus du pied, frapper avec ci, frapper avec le talon. Tout ça sont des variantes. Il faut connaître parce qu'on arrivera à les faire. Donc ici, quand vous déplacez, regardez ce qu'on va faire. Hein, on va le faire tout de suite. Lui, il attaque Ozuki à peu près au dos de la ceinture. Vas-y. Et là, oh, tourne, pan, là, un d'abord, deux après. Essayez de profiter. Et on fait ça. Essayez, regardez, je suis comme ça. Et maintenant, c'est le fait de tourner qui va tout emmener. Oui, c'est naturel, j'ai rien à faire. Pam, ça vient tout seul. J'ai pas rajouté de la force ici. La force, elle vient de la hanche. Hein? Allez, essayez de faire ça. Et le côté qui est vers le fond de la salle qui attaque. Comme ça, vous allez faire le mouvement comme vous l'avez fait tout à l'heure, quand on l'a fait tout seul. Hein, y a rien à changer. Allez, allez, viens de chimer. Pareil. Pareil. Go! Hey! Go! Hey!
Il a décidé de défendre le combat avant. Là, maintenant je suis ici, il y a l'autre pied derrière. Moi ça ne change rien. Vas-y. Un, deux. Ça ne change strictement rien. D'accord, il n'y a pas à changer de garde. Au bout de pied, tout ensemble. Thank you.